Vous êtes sûrement en train de vous poser cette question, quel matos a-t-il utilisé pour tourner ces images? Nous allons y répondre dans cette vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir le matos que moi j'utilise en voyage, qui me correspond à 100%. Avant d'attaquer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à actionner la petite cloche, à me mettre un beau petit like et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Ça fait des années que je filme, j'ai utilisé pas mal de boîtiers différents. Pas mal de drones également, j'ai utilisé des caméras d'action. Donc le matos que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment un matos qui a été mûrement réfléchi et qui me correspond. C'est pas pour autant qu'il va vous correspondre à vous. Mais du coup, ça peut peut-être vous donner certaines idées pour du matos que vous pourrez prendre avec vous en voyage. Tout le matos que je vais vous lister dans cette vidéo, je vais le mettre en description également. Alors ça, il n'y aura aucun lien affilié, mais c'est surtout pour vous donner une idée. C'est vraiment moi ce qui me correspond. Est-ce que je prends tout le temps maintenant en voyage? Depuis quelques années maintenant, j'ai fait un peu le tri de ce qui était utile et ce qui n'était moins. D'où cette vidéo. Première chose, on va parler du boîtier. Donc j'utilise mon fidèle Sony A7K. C'est un boîtier qui fait de la photo et de la vidéo. Alors pourquoi ce boîtier? Tout simplement, il a une très bonne qualité et il fait de beaux ralentis. Et ça, moi, il me fallait absolument un boîtier avec une très bonne qualité d'image. Filmer en 4K, faire de très belles photos, donc ça aussi, on est bon. Il a 33 mégapixels. On fait de la 4K 60, mais croppé, c'est pas grave. Donc 4K 60, pour ceux qui savent pas, c'est tout simplement de beaux ralentis. Je ne prends aucun stabilisateur quand je pars en vacances. Déjà parce que c'est encombrant, c'est lourd, et que surtout mon boîtier, le A7 4, est déjà pas mal bien stabilisé. Et à force de pratiquer, vous allez voir que quand vous partez en vacances pour faire des plans smooth et stables, vous n'avez pas besoin de stabilisateur. Maintenant, on va parler des deux objectifs que j'amène avec moi. J'utilise le 16-35 de chez Sony. Ça me permet de filmer vraiment les paysages, de montrer un maximum de choses. C'est vraiment un objectif pour moi super pour la vidéo. Parlons maintenant de Tamron 28-75. Donc cet objectif est fabuleux. Il nous permet de faire pas mal de plans variés, des plans serrés, des plans un peu plus larges. Donc au 28 mm, on peut faire des plans larges. Bon, ce n'est pas des paysages qu'on va faire, mais c'est toujours un petit grand angle qu'on a sous la main. Si je devais partir uniquement avec un boîtier et un objectif, ben c'est cet objectif que je prendrais. C'est vraiment un vrai couteau suisse qu'il faut absolument avoir dans son sac. Maintenant, on va parler quand même du micro. Donc j'utilise le Sony ECM B10 qui me permet de prendre des sons d'ambiance principalement quand je suis en vacances. Bon, vous pouvez faire des vlogs également avec, mais bon, moi je m'en sers principalement pour enregistrer les sons ambiants. Donc quand je marche sur la plage, pour enregistrer les bruits de l'eau, les bruits de voiture, les bruits dans une ville, des gens qui parlent, un café qui coule. Donc pour moi, c'est très très important. Ça me permet tout simplement de venir rajouter des sons dans mes vidéos. Donc c'est du sound design que j'enregistre directement sur le terrain. Il y a une option qui nous permet d'enregistrer le son de façon omnidirectionnelle, c'est-à-dire tout autour de nous. Et ça, pour du son d'ambiance, il n'y a rien de mieux. Moi, je kiffe ce micro. Moi, je vous conseille tout simplement de partir avec un micro canon. Vous n'êtes pas obligé de mettre 300 ou 400 euros dedans, mais obligatoirement, prenez un micro canon. Vous avez des rods qui sont très bien, à des prix très attractifs. Il faut absolument penser à enregistrer les bruits ambiants pendant que vous voyagez. Un accessoire indispensable quand on fait de la vidéo, c'est le filtre ND. Si on veut garder un flou de mouvement comme actuellement, quand vous êtes dehors, vous êtes obligé d'utiliser un filtre ND. Sinon, vous allez avoir une image cramée. Je vais vous montrer tout simplement ce que ça donne. Pour vous donner une idée, quand je dis cramée, c'est comme ça. Voilà, si vous n'avez pas de filtre ND, ça donnera ça. Ce sera vraiment dégueulasse. Filtre ND obligatoire quand on est dehors. Tout simplement pour pouvoir garder les réglages de base de la vidéo. C'est-à-dire que je filme en 25 images par seconde et je mets ma vitesse à 1/50 et je mets mes ISO au minimum à 100. Et j'utilise un filtre ND. Et grâce à ces petits réglages et à ce petit filtre, j'aurai un très beau rendu. Pour faire mes plans aériens, j'utilise tout simplement le DJI R3. Je kiffe ce drone. C'est un drone avec deux objectifs. Donc on a un grand angle de 24 mm et un téléobjectif de 70 mm. Donc c'est très important pour moi également d'avoir ce drone. Ça me permet de faire varier mes plans. Comme je vous disais tout à l'heure, moi j'aime bien faire des plans larges où je montre un peu tout et des plans beaucoup plus serrés pour montrer l'action par exemple. Ça, je kiffe littéralement ce petit drone. C'est un drone certes qui a pris de l'embonpoint avec le temps, mais qui tient parfaitement dans un sac avec un boîtier. Sur mon drone, j'utilise des filtres ND
car que ce soit avec mon Sony ou qu'avec mon drone, je fais tous mes réglages en manuel. Je veux absolument garder le contrôle sur mes réglages, donc pour ça, sur le drone, c'est le même principe, on vient mettre un filtre ND pour pouvoir venir garder nos réglages, pour avoir un beau flou, même si en drone, c'est moins important qu'en caméra, mais bon, j'aime quand même garder le contrôle sur mes petits réglages, au moins je ne suis pas perdu, et surtout, quand je fais mon montage vidéo, j'ai les mêmes réglages, que ce soit sur la caméra que sur le drone. Et ça, pour moi, c'est un gain de temps énorme. Et pour terminer cette vidéo, on va parler de l'accessoire indispensable qui va nous permettre d'arranger tout notre matos. C'est tout simplement le sac à dos photo. Et moi, j'utilise le OneRed Prevoc 31 litres. Ce sac photo est pour moi parfait. Il y a des rangements partout. On peut mettre tout le matos que je vous ai cité dedans. Et il y a encore beaucoup de place. C'est le sac photo parfait pour moi. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tout ce qui est parfait pour moi ne l'est peut-être pas pour vous. Mais je pense que vous pouvez me faire confiance sur ce point-là. Je vais vous dire rapidement pourquoi j'adore ce sac. C'est tout simplement qu'il est super pratique à l'usage. On peut mettre beaucoup de choses. Et il est surtout très confortable à l'utilisation. Les lanières sont rembourrées. Et puis également, nous avons un bon rembourrage dans le dos, ce qui permet de limite de ne pas le sentir sur nos épaules. Si vous le chargez comme moi j'ai fait, vous mettez 15 kg de matos, vous allez le sentir. Mais du coup, vous aurez quasiment pas mal aux épaules. Et ça, c'est très important pour moi. Quand on a un sac à dos qui, au bout de 3-4 heures, commence à nous saigner les épaules, franchement, c'est vraiment pas l'idéal. Tandis qu'avec ce sac qui est ultra rembourré, vous ne craignez rien, vous n'aurez jamais mal aux épaules. Surtout avec le matos que je viens de vous lister. Et honnêtement, c'est pas très 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 lourd. Vous avez un drone, un boîtier, deux objectifs, un micro, vous allez mettre quelques batteries, deux filtres. Oui, la télécommande du drone, et puis voilà. Ça va pas être super lourd dans un sac. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Je vous vois arriver, je ne vous ai pas parlé de trépied durant cette vidéo, tout simplement parce que moi, en voyage, je n'en prends pas. Il m'arrive de temps en temps de faire des pauses longues, mais je trouve toujours un système D pour poser mon boîtier et faire ma prise de photo. Voilà, tout simplement. Et le trépied, ça me gonfle, c'est gros, c'est encombrant. Bon, certes, c'est pas lourd, mais ça prend de la place. J'espère vous avoir donné des idées, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si j'ai oublié de mettre quelque chose également, dites-moi dans le box commentaire ou de rajouter quelque chose. Alors oui, je n'ai pas parlé de caméra d'action parce que moi, pendant mes voyages, c'est plutôt de la détente. Je ne fais pas trop d'activités sportives, donc pour moi, la cam d'action n'a pas vraiment d'utilité. Mais si vous partez faire des vacances sportives, alors oui, mettez une caméra d'action dans votre sac, ça prend pas de place, c'est tout petit. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je tenais à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires, à me liker les vidéos. C'est super agréable, je kiffe littéralement. Je vous adore, c'est grâce à vous que la chaîne continue son petit bonhomme de chemin. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Vous souhaitez également un joyeux Noël, de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis nous, on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bye bye !